Je suis en compagnie d'Isabelle Grenon. Bon matin, Isabelle, ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Ta dernière chronique aujourd'hui, avant les fêtes? Avant les fêtes, oui, on va se revoir au mois de janvier, probablement. Oui, en tout cas, je l'espère. Oui, je l'espère toujours, il y a aussi. toujours toutes sortes de produits à présenter aussi, puis des Oui. nouveautés en la matière. Oui. Donc, aujourd'hui, de quoi souhaites-tu nous parler pour ta chronique Férisa? Donc aujourd'hui, pour la chronique, vous savez, je veux vraiment insister sur les produits chimiques. Aujourd'hui, on va parler des parfums et des fragrances. Ça devient de plus en plus mal toléré par la société, de plus en plus des gens qui sont allergiques à ces produits-là. Même que les établissements publics demandent de plus en plus à leurs utilisateurs d'essayer d'éviter de mettre des parfums ou de porter des fragrances. Entre autres, à Kingston, en Ontario, en 2005, on a même interdit aux patients et aux employés d'un hôpital de porter des fragrances, que ce soit parfum ou que ce soit des produits pour le corps, des produits cosmétiques. Donc, éviter les charges de fragrances. Oui, je vais parler des produits de parfum personnel là, pour se parfumer, mais je veux vraiment insister sur l'ingrédient dans Dans nos ces produits qu'on produits. utilise tous les jours. L'ingrédient, regardez à la maison sur toutes les Les produits, étiquettes. les étiquettes, on voit le mot fragrance ou parfum. Donc, c'est vraiment de ça que je veux parler. Ces parfums-là sont composés, c'est des musques synthétiques qui sont composés de molécules chimiques. Comme j'avais dit, on peut retrouver jusqu'à 3000 produits chimiques dans la C'est composition énorme. de ces produits-là. C'est énorme, c'est incroyable. Et même les produits qui sont étiquetés sans parfum, ou non parfumés, ils vont contenir un agent masquant qui va dire à votre cerveau qu'il n'y a pas d'odeur. Ça va empêcher de percevoir l'odeur au cerveau. C'est vraiment incroyable. Quand même, hein? Oui. Puis, est-ce que... Parce que moi, je donne un exemple, peut-être pour les gens qui nous écoutent, ils vont se retrouver dans ce que je vais dire. J'ai de la difficulté avec beaucoup de parfums. C'est pas tous les parfums qui font bien à tout le monde non plus pour la réaction aussi je sais pas, pas des enzymes, mais de ce qu'on dégage aussi. Oui. Mais par rapport à la peau, quand c'est cutané, aussi une réaction, des boutons, des choses comme ça, on s'entend que c'est des produits chimiques. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là aussi, parce que cette intolérance-là, elle vient probablement du fait qu'il y a tellement de produits chimiques dans tout Oui. ce qu'on utilise pour les crèmes. Puis les parfums aussi, eux, ils vont être absorbés au niveau des poumons. Donc, on le respire, ça va être absorbé dans les poumons. Ça va aller se fixer dans la graisse, les tissus adipeux, et ça va aussi se fixer au niveau de la graisse qui est contenue dans le sang. Puis ça va venir perturber la circulation sanguine. Donc, Donc, quand on parle d'absorption, on le voit pas, c'est pas visible à non, l'œil nu, c'est non, non, pas certain, du tout. mais ça a un effet quand même physiologique sur nous. Oui, puis cette perturbation de la circulation sanguine va faire en sorte qu'on va avoir des maux de tête. Au niveau de la peau aussi, les parfums, c'est vraiment des petites molécules. Fait que ça va être absorbé au niveau de la peau, ça va se lier à certaines protéines et c'est là qu'ils vont s'enclencher les réactions allergiques au niveau de la peau. Donc, quels effets secondaires que ça peut faire? Ça peut créer, oui, les allergies, des migraines, eczéma, psoriasis, des réactions cutanées, irritations. Ça va même aller jusqu'à favoriser le développement de l'asthme chez l'enfant. Donc, les symptômes asthmatiques, beaucoup, beaucoup, les gens qui viennent en boutique me parlent des symptômes asthmatiques quand on respire des parfums. Il y a même une étude qui a été faite sur les cordons ombilicaux des enfants. Ça, j'avais trouvé ça terrible. 7 enfants sur 10 portaient des molécules chimiques du parfum de la mère avant même de venir au Quand monde. on parle d'absorption pour le bébé, aussi avec le cordon ombilical, les scientifiques se sont rendus compte donc qu'il y avait ces produits chimiques-là à l'intérieur du cordon qui fait que le bébé absorbe Oui. la nourriture, absorbe tout ce qui suit, là. Et tous les produits Ouais. chimiques aussi qu'on se met sur le corps. C'est pour ça que je suis ici pour vous parler de tout ça. Les ingrédients de fragrance aussi sont beaucoup associés au cancer, même à neurotoxicité. Donc, ça veut dire que c'est toxique pour nos neurones. Tu sais, c'est vraiment important qu'on en parle. On ne dit pas que c'est ce qui arrive quand on prend un parfum. C'est, j'imagine, à la longue.
qu'on développe tout ça, puis avec tous les ça produits. Ça peut quand même être... les allergènes peuvent être très, très ciblés. J'ai eu beaucoup de clients là, qui sont venus, puis dès qu'ils respirent un parfum, c'est les symptômes asthmatiques qui vont se déclencher. Il y a des gens beaucoup plus fragiles oui. aussi. Oui. Ça dépend, ça dépend de l'individu, ça dépend de la quantité absorbée, ça dépend de plusieurs facteurs. Puis pour l'environnement aussi, oui. Ça doit avoir un impact aussi sur l'environnement. Oui, c'est des produits qui vont être persistants, qui vont s'accumuler au niveau de la chaîne alimentaire, qui vont être toxiques pour les environnements, pour les animaux. Puis en même temps, ça va être réingéré encore une fois, ça rentre dans le cycle, dans la boucle alimentaire, puis on va le réabsorber. Certains aussi parfums vont être associés avec en fait, dans les parfums, il va y avoir des agents qui vont être pour augmenter la performance, entre autres les phtalates. Les phtalates, je vais vous en reparler plus tard dans une autre chronique. J'aurais tellement, tellement de choses à dire par rapport à tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que les phtalates? Les phtalates, juste en fait... Juste en prémisse, là, pour expliquer aux gens. J'aime mieux pas m'envoyer là-dedans. C'est une molécule chimique. C'est une molécule chimique. Justement, qui va être additionnée, entre autres, dans les parfums. On va les trouver dans les jouets des bébés aussi. Ils vont aller perturber les hormones, l'activité hormonale, développement, problème de développement du fœtus. En tout cas, la liste en est longue. Je me commence pas là-dessus parce que c'est sûr que j'en aurais pour trop longtemps. Donc, on parlait de l'environnement. J'imagine qu'il va y avoir aussi des réglementations par rapport à tout ça. Au Canada, ici, la réglementation, elle est très boiteuse à comparer en Europe. En Europe, sont devenues de plus en plus sévères sur la confection des parfums. Donc, j'espère que le Canada va prendre la suite à l'Europe. Les États-Unis aussi, ça s'en vient de plus en plus. C'est une industrie qui est auto-réglementée. Donc, c'est les fabricants qu'il faut qu'ils fassent attention, mais souvent, comme les recettes sont secrètes, c'est des secrets industriels. Donc, ils peuvent, dans le petit mot parfum dans vos ingrédients, il peut avoir toutes sortes de choses. Tout ce qui suit. Oui, oui. Et donc, y aurait-il des produits que tu voudrais nous présenter aujourd'hui? Oui, en fait, pour les personnes allergiques, ce qui est intéressant en boutique, j'ai des produits qui sont entièrement sans odeur, qu'on parle comme produits shampoing revitalisant, des produits 3 en 1, donc qui vont faire savon pour les mains et gel douche. J'ai aussi des produits de lessive, assouplissants, ainsi que des savons à vaisselle qui ont complètement aucune odeur. Donc, c'est des belles alternatives pour les gens, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement intolérants et même qui vont avoir des symptômes très forts. Donc, ça, c'est des belles alternatives. Pour ce qui est des parfums d'ambiance aussi, en boutique, je vais avoir, j'ai quelques petits produits là, qui peuvent être très bons et qui sentent extrêmement bons. Ici, j'ai un branché glaise, un diffuseur. Dedans, il y a un petit tampon sur lequel on va mettre les huiles essentielles. Puis, ça va diffuser dans la maison, même dans la voiture. J'ai celui-là pour la voiture qui se branche dans la voiture. Donc, ça va diffuser des huiles essentielles, malgré qu'il y a quand même quelques huiles essentielles aussi qui peuvent être dommageables à long terme. Donc, il faut faire attention, bien choisir nos produits. Donc, c'est à peu près ça que j'ai à vous parler aujourd'hui pour ce qui est des parfums. Et puis, je vois aussi que tu as un bâton magique que tu appelais tout à l'heure, le bâton Arnica. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? Mon bâton magique à l'arnica, en fait, j'aime bien tester les produits. Puis j'aime bien tester les produits aussi quand c'est écrit « magique ». On aime y croire aussi. Oui, on aime voir si croire. Ça marche. Et là, je suis totalement et entièrement convaincue. Il m'est arrivé un petit pépin, j'ai tombé dans les escaliers. Et moi, je fais des bleus vraiment, vraiment rapidement. Donc, les ecchymoses là, apparaissent très rapidement. Ah oh, oui. Donc, c'est un petit produit qui va aider à soulager les petits bobos quotidiens. Les contusions, les entorses, les douleurs musculaires, les courbatures. À l'intérieur, il y a de l'arnica. Donc, l'arnica, ça va être bon pour prévenir l'inflammation. Avec aussi l'huile de tournesol, la vitamine E, beurre de karité, beurre de cacao, ça va aider à protéger, à hydrater et à revitaliser la peau.
Ça va aussi protéger contre les agressions extérieures. En tout cas, c'est vraiment un petit produit magique. Et après l'application, j'ai eu aucun bleu. Ah oui. Aucun. J'avais même oublié un endroit et cet endroit-là, ça l'a pas manqué. Là, j'ai eu un bon bleu. Donc, c'est quand même, tu testes tes produits et donc oui, j'adore tu es en mesure de nous dire si ça fonctionne bien. Oui, oui, oui. Donc, très beau petit produit à mettre dans un bon Noël. Très, très, très intéressant. Bien, justement, en parlant de bon Noël, en terminant, il y a probablement plein de produits à la boutique qu'on peut s'offrir à des prix aussi intéressants. Là, oui, donc, oui. J'ai apporté tampons démaquillants. Tampons démaquillants, c'est vraiment un must, excusez le mot anglophone, mais pour les femmes adorent ça. Ça peut être utilisé soit avec des huiles, comme de l'huile de jojoba. Ils peuvent être réutilisés. Oui, ils sont lavables, très doux. C'est en coton biologique et en chanvre. Donc, très, très, très bon produit. C'est ça, être utilisé avec des huiles comme huile de jojoba, huile d'avocat, huile d'argan, ou aussi avec des petits démaquillants. À la boutique, j'ai le démaquillant de la compagnie Maman Nature et une eau démaquillante de la compagnie Mon Éco, là, qui sont très intéressantes, que j'ai testées aussi. Donc, venez voir en boutique. J'ai beaucoup, beaucoup de produits qui sont intéressants pour les produits bio, oui, écologiques. Écologiques. Donc, bon pour la santé, de vos petits bébés, de toute votre famille. Et tu peux conseiller les gens aussi. Oui. Il y aurait peut-être ça là, que vous n'avez peut-être pas pensé aussi, là, mais qui serait agréable à essayer. Puis, as-tu des bons commentaires? Là, parce que toi, là, c'est récent là, aussi, ta boutique en terminant. Là, les gens qui vont te voir, là, comment ça se passe tout ça? Là, parce que... Oui, bien, en fait, on est plusieurs aussi à tester les produits que j'utilise. Souvent, moi, je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je fais tester les produits avec des petites quantités. On se rappelle que j'ai du vrac, donc vous pouvez amener des petits contenants. On en achète des petites quantités. Ça coûte moins cher. Est-ce que les gens peuvent ramener leurs contenants? Puis, pour essayer de le suremballage, là, essayer d'éviter ça, c'est-à-dire. Puis, puis c'est ça. Plusieurs personnes ont testé mes produits. Puis, vraiment, moi, je suis très étonnée de voir l'efficacité de mes produits. Donc, agréablement surprise. Oui. Et alors, Isabelle, c'est tout le temps que nous avons pour ta chronique. On se dit peut-être en janvier à bientôt. Oui. Et en espérant te revoir après les fêtes. Oui. Et je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à toi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.